get on the track and ever living it for life, yo. It's got to get to get to be. Let's get into it before it's all over. I ain't playing, I heard it might be over. I'm not clean cut, I wanna get slightly over. Your rhymes are whack, you need to do them over. When I attack, say bye, your life is over. Coming from the under, it's time to get over. You can ride me boo and then let me turn you over. These petty MCs, I step on the wall over. Turn my mic up loud so you can't talk over. Babylon system, my people fight over. And over again, why it just can't be. De retour en direct du casino du lac Limy. Tout de suite, on est prêt pour la présentation du combat de Jean-Pascal contre James Crawford. Nous aimerions maintenant souhaiter la bienvenue aux téléspectateurs de TVA pour le déroulement de ce combat en direct du casino du lac Limy. Mesdames et messieurs, ce combat est prévu pour 8 rounds dans la catégorie des poids super moyens. This fight is scheduled for 8 rounds of action in the super middleweight division. Les juges pour ce combat, judging this fight at ringside, Claude Paquette, Benoît Roussel et Jack Woodburn. L'arbitre de ce combat, the referee for this bout, Marlon B. Wright. D'abord dans le coin rouge et portant la culotte noire et blanche et pesant 170 livres. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing black and white trunks and weighing 170 pounds. En 53 combats professionnels, il a inscrit 40 victoires, 17 par KO et 2 combats nuls. In 53 professional bouts, his record consists of 40 wins, 17 by knockouts and 2 draws. Mesdames, Messieurs, de Grinnell, dans l'état de l'Iowa, from Grinnell, Iowa, James Crawford. Maintenant, son adversaire dans le coin bleu porte la culotte verte et pèse 169,2 livres. Fighting out of the blue corner, his opponent wearing green trunks and weighing 169.2 pounds. Sa fiche est de 7 victoires, 6 par KO en 7 affrontements. He shows an impressive record of 7 wins, 6 by knockouts and no draw in 7 bouts. Il fut membre de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques d'Athènes. Il est champion des Jeux du Commonwealth et des Jeux de la francophonie. Mesdames, Messieurs, de Laval, from Laval, accueillons Jean-Pascal! My instructions. Expect a clean fight. Protect yourself at all time. Obey my command at all time. Touch gloves. OK, alors nous sommes prêts pour ce combat entre Jean-Pascal et James Crawford. Bernard, les mensurations. Même grandeur tous les deux, à peu près le même poids. Un avantage de portée pour Jean-Pascal d'un pouce et demi. Et là, on voit la différence. Crawford a commencé sa carrière en 94 contre 2005 pour Jean-Pascal. Alors, beaucoup plus d'expérience du côté de Crawford, mais Jean-Pascal toujours invaincu chez les professionnels. Pascal qui a la culotte verte et Crawford une culotte zébrée. Jean-Pascal prend déjà le centre du ring. C'est une question de respect. Hein. Le début du combat va être important, Jean-Paul, compte tenu que Jean-Pascal, c'est un bébé dans la boxe et Crawford, lui, il pense que, bien entendu, que ce gars-là n'a pas d'affaires sur le même ring que lui. Donc, Jean doit être en mesure de placer des coups puissants dès le début du combat. Dans le cas de Crawford, je viens croire qu'il veut se battre contre Horace Grant. Parce que quand on regarde sa fiche, par exemple, il n'a pas gagné depuis le 28 février 2004. Oui, mais encore là, Jean-Paul, quand on regarde contre qui il a perdu, il a perdu contre Scott Pemberton, qui était le premier aspirant WBC, qui s'en va se battre en combat de championnat du monde contre Jeff Lacy, Eric Luka, Adrian Diakounou et Danny Green, celui-là même qui a passé KO à Eric Luka. Aucun Pascal va bien, aucun rien à la tête. Et c'est rapide, là, très rapide. Peut-être que Crawford va être surpris par la vitesse d'exécution de son jeune adversaire, qui, on parlait de 23 ans, c'était hier. Il a, c'est ça. Et là, il veut se faire un beau cadeau aujourd'hui. Ouais. Il a dit qu'il respecterait Crawford. Il veut faire des rounds. On sait que presque tous ses combats se terminent par KO rapidement. Oui. Il veut prendre de l'expérience et il a un bon gars devant lui pour ça. Mais quand on connaît Jean-Pascal, s'il a l'occasion, il va sortir Crawford de ses bottines. Très rapide combinaison de deux mains. Pas de bon cochet de gauche ici, va-t-il à droite? Alors, Jean qui s'impose dans ce premier round
Ce qui est à remarquer, Jean-Paul, c'est la précision des coups de Pascal. Il trouve la cible presque à chaque fois au moment où il lance ses coups puissants. Et il est également difficile à atteindre, comme on l'a vu il y a quelques secondes. Coiffeur, il l'a atteint au corps, mais il était en mouvement, en reculant. Ouais, alors, le coup ne porte pas tellement fort dans ce temps-là. Coiffeur est tourné gaucher maintenant. Et la même fois, là, ça rentre vite, comme tu l'as mentionné tantôt, Bernard. Et là, au corps maintenant. Quand on parle de Pascal, on parle d'un boxeur instinctif, un boxeur au talent naturel, un des plus beaux espoirs qu'on a jamais eu dans l'histoire de la boxe au Québec et un qui a fait une des plus belles carrières qu'un Québécois a pu faire en boxe amateur. Oui. Je parle d'amateur. Dans le cas de Crawford, quand on parle de son expérience, 56 combats, mais également au-delà de 200 combats amateurs. Oui, en plus, il s'est déjà battu en combat de championnat du monde contre Sven Hotke en 2001 pour le championnat du monde IBF. Il avait perdu par KO au 8e round. Beaucoup d'expérience. Oh! Et là, au corps maintenant, et Crawford qui esquisse quelques sourires en voulant dire « Ouais, amène-en, j'aime ça, mais pendant combien de temps il va aimer ça? » Les coups, en plus d'être puissants, sont précis. Oui. Et Pascal doit, lui, garder sa concentration. Alors, le premier round qui s'en va vers la fin. On vous revient dans un instant direct du Casino du Lac-Limier à Gatineau. Point droit de l'écran et juste avant le son de la cloche, voici la droite et Crawford qui s'est retrouvé au tapis et l'arbitre Marlon B. Wright qui lui a donné un compte de 10, un compte de 8, je devrais dire. Alors, ça veut dire que c'est un round qui va à 18. C'était le dernier coup du round, mais le coup le plus puissant, main droite, bon transfert de poids sur la mâchoire. Et comme tu l'as bien dit, 18 Pascal. En passant, vous avez vu aussi carte de pointage de Gabby Bensili qu'on accueille aujourd'hui. C'est lui qui va donner les pointages pour TVA pour les deux combats que l'on présente. Gabi, qui a longtemps été président de la Fédération de boxe amateur du Québec et qui est très connu dans le domaine de la boxe. Gabi qui a représenté le Canada aux Jeux olympiques comme boxeur en 1960 à Rome, la même année de la médaille d'or. Oh, attention! Et là, Pascal semble vouloir en finir. Et Crawford qui vient à mon homme. Ah, ben là, il va peut-être regretter. Il va peut-être regretter. Le problème de Crawford, c'est qu'il n'est pas capable de contrôler la rapidité de Pascal. Pascal est très rapide et dans le moment, il travaille en combinaison et parvient à créer l'ouverture. Oh, il a réussi maintenant la gauche. Et la droite. Et la gauche encore. Oh, ça vient vite. Crawford qui vient de tourner gaucher encore une fois, ça n'a pas été payé en premier rang. Ça n'a pas donné grand-chose. Ah, il vient de revenir de l'autre côté. Ah, au corps.